Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi. Mais Cécile, vous faites quoi là? Ça m'intéresse d'être brossée, tout ça. Il va être midi, je suis sortie du lit, je me suis réveillée vers 11h30. Pourtant, je me suis pas couchée si tard, genre, pas l'impression. Je vais faire mes cils, les gars, vendredi. Il est temps parce que là, c'est n'importe quoi. Là, je viens de me faire couler un petit bain, je vais prendre un petit déj devant Plus la vie. Monsieur dans le corps. Aujourd'hui, on a une mission à faire. Où je vais vous emmener. Prendre une banane déjà. Il faut que je me lave les cheveux en plus avant de partir et que je finisse des prévus. J'ai fini ma grosse crêpe et la factrice m'a laissé des colis. Bon, je sais pas ce que c'est, mais il est lourd le colis. Ah si, je crois que c'est. J'espère que c'est ce que je pense. Point positif, c'est un carton qui a déjà été utilisé. Et donc, je pense encore plus que c'est ce que je pense. C'est pas un truc reçu, c'est un truc que j'ai acheté. Je suis en juillet qu'elle m'avait prévenu qu'il était lourd, mais effectivement, c'est le calendrier de l'Avent Lives on Cloud. Et effectivement, il est super lourd. Je ne peux plus le porter. Oh, ça sent super bon. Trop hâte de commencer à l'ouvrir. Trop hâte. J'attends encore un autre calendrier de l'avant, je crois. Donc je pense que je vais faire des vlogmas parce que j'ai pas mal de calendriers. Après, je me dis les jours où je travaille, quand je travaille 12 heures toute la journée, je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je fais pas des vlogmas tous les jours ou est-ce que je vous fais quand même, mais du coup il y aura que le matin et que le soir, mais il faut que je trouve un truc à vous faire le soir. Genre le soir, je vous filme ma routine ou le soir, je vous filme un truc particulier, quoi. Je sais pas encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Parce que c'est vrai que 12h dans une journée, je pars de chez moi à 6h et quelques et je reviens. Il est limite 20h. Ça laisse pas beaucoup de temps et pour faire quelque chose et pour monter le vlog. J'ai trop contente. Je me suis maquillée vite fait, mais alors mon teint en ce moment. J'ai démêlé mes cheveux là, je vais en attendant préparer vite fait ce que je dois dire là pour mes collabs, mais vraiment des trucs que j'avais déjà préparés. J'avais presque oublié, mais j'ai une machine à étendre aussi. Bon, est-ce que les papiers que je cherche sont ici? Yes! Bien, c'est bien, c'est bon. Ça, c'est bon. Et j'ai juste un autre truc à préparer. Oh, c'est la fête ici ou quoi? C'est banger ici. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Oh. Come and see. Casse-toi, ouais. Je me casse. Ouais, ouais, casse-toi. Et où ma brosse? Sinon, t'es prêt? D'accord, super. Merci pour la réponse. Je dis, est-ce que t'es prêt sinon? Parce que moi, je me lisse. Étant donné que je vais pas me maquiller, coquard, etc., ouais. Moi, je me lisse les cheveux et on y va. Vas-y. Mais gars, je vais bientôt chez le coiffeur. Bientôt la fin de ses cheveux. Et hop, ça ira comme ça.
je vais conduire donc lunettes. Là, on va aller chez Ombelin & Co. On a une mission à faire là-bas. Moi, en même temps, j'en profite pour aller faire autre chose. Enfin, je vais faire la mission, mais à 16h, j'ai rendez-vous. Bon, on a étendu le linge. Je vais mettre un peu d'huile sur les cheveux. Cette huile, ça fait 6 siècles que je l'ai. Je l'ai depuis genre le lycée, je pense. Au moins, elle sent super bon. C'était trop à la mode les produits aussi avant avec le... Mince, comment il s'appelait? Sous le Minute Miracle ou je sais pas quoi là. Il rendait les cheveux si doux, mais je pense que la pompe était pas ouf, mais ça faisait le taf. Et sinon, j'ai pris rendez-vous pour mon prochain tatouage, les gars. J'ai trop hâte, en décembre. Maman, si tu regardes ce vlog, souris. J'ai trop trop hâte. Je vous ai même pas montré mon dernier tatouage que j'ai fait il y a un mois. Est-ce qu'on met du rouge à lèvres? On va mettre un... qui tient pas trop là, en mode ça. Histoire de dire. Faire au miroir. Hein. Je vais bientôt faire un truc pour mes lèvres aussi, c'est pas des injections. Je crois que c'est cette semaine, mais cette semaine j'ai trop de trucs. Cette semaine je vais faire mes cils, je vais chez le coiffeur. Je fais un truc à ma bouche. Là cet après-midi je fais un truc à mes pieds. Une semaine de vacances, chouchoutage. Hop. Vu que je suis habillée en beige et que je vais mettre mon manteau beige, on va prendre mon sac. Tiens, 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 où sommes-nous? Putain, mais tu sais que je vlog aussi, du coup. On va faire un vlog dans un vlog. Mais ça sert à rien que tu fasses ça, puisque tu pourras pas viser. Alors que si tu cherchais... Commence à me courir sur le haricot, toi. Si tu cherchais les autres pièces... Tu commences à me trotter sur le haricot. Elles sont mal taillées, là. Ouais, ça rentre, mais genre, tu sens que c'est pas genre beau rapport... Ouais, ouais. Tu sens que c'est presque pas été conçu pour entrer dedans. Tu sens qu'elle a cherché le moins cher. Waouh, t'es fort. Mais bon. Et bon, les Vinnie. Et bon, les Vinnie. Voilà. C'était ma participation. Bonne journée. Allez, je vais à mon rendez-vous. Le 3. Et ça casse tout. Allez. Bravo, Emmanuel. Bravo. Bah oui. Tu t'es mis, t'as fait bouger ta chaise et ça a enculé. Ah, est-ce que ça filmait son truc? Non, je sais pas. Là, c'est la partie où ça devient pas marrant. Non, là, ça va pour l'instant. Tu juges un peu ce que je fais, je trouve. Okay. Je pense que tu juges un peu. Oula. Oula. Oula, 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 oula. Quoi? On s'en rentre en 1h30? Bah oui, pourquoi? Ok, donc, je sais pas, apparemment, il y a un truc à 1h30. J'ai trouvé un truc. Ah. Ah. Regardez-moi, c'est un site que je viens d'acheter un 10 ans. Plus de temps à ouvrir ça, c'est un peu de meuf. Putain de merde. Un truc qui est jiki. Là, j'avais pas vu, hein. Je suis vraiment un maître de chantier. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je l'ai acheté, c'est pour démerder vous. Ah mais c'est bon, je vais m'en occuper. C'est un peu lent, je trouve. Non, non, mais viens au bureau, on va boire un verre et on va laisser Manuel monter le meuble parce que je crois qu'elle est trop lancée là. Oui mais il faut démonter l'autre meuble donc t'inquiète, il y a des choses à faire. Hein. Bah, je vais enlever déjà les affaires qu'il y a dedans. Moi je suis chaud là. Je suis chaud là. Tu es forte en montage du meuble, mais m'appelez pas parce que j'aime pas trop faire ça en vrai. Là c'est pour lui des lieux donc ça passe. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? On va aller emmener le vlog de l'autre côté. Voir ce qui se passe un peu. Ouais, voir ce qui se passe dans la chambre. Et bah. T'as mal à ta vue. Super Emmanuel. Ça c'est dans le vlog. Ok, je l'ai. Mauvaise nouvelle, je ne vois pas comment ça va passer avec ça. Non. Bah, il nous faut la clé qui est là, Emmanuel. Par contre, j'aurais pas pu prendre un lit avec le sommier déjà monté, parce que là, il y a toutes les lattes qui nous attendent au fond. Et Emma, tu peux nous passer ta clé? Emmanuel, tu arrêtes les blagues de cul. C'est la, c'est la troisième en moins de 2 minutes, là. T'imagines que quand je t'identifie toi, automatiquement, ça me propose d'identifier Romain et Adam. Oh, bordel. Mais non, c'est le sommier qui a pris son indépendance. Genre tu les colles les uns aux autres avec la masse. Ouais. J'entends des bruits, je crois, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais... Bon, moi je vais assembler 3 trous là, ok, c'est bon, on a le bon sens. Hop. Bon, il manque des pièces là.
Peut-être que vous allez avoir besoin de ça. Bon, je me munis des clés dans le Nico et je vais faire ma pédicure là où j'avais fait quand on avait changé. Ah, la vidéo n'est jamais sortie. On avait changé nos vies. J'ai testé celle qui lui fait ses ongles et j'ai trop aimé. Donc je vais refaire mes pieds. Parce que là, ils ont bien poussé et je vais prendre sa trotte électrique. Quelle clé déjà? Ils sont tous fous à l'envers, je sais pas. Ok, la trotte, elle est là. Ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Hop. J'ai pas pris mes écouteurs, c'est pas grave. Allez, hop. C'est bon, j'ai réussi à me sonner où c'était et j'ai réussi à y aller sans GPS. Et il est 57 et j'ai rendez-vous à 16h, donc on est perfecto. Par contre, ça trotte vraiment, genre ses freins et tout, je trouve, la trouve trop dangereuse, ça trotte, elle va assez vite. Et quand tu freines, c'est vraiment genre très sec. Genre la mienne, tu peux freiner un peu doux. Et vu qu'elle est légère, sa trottinette, j'ai l'impression qu'à chaque frein, genre je vais m'envoler quoi. Bon allez, un petit masque et go. Ça y est, j'ai des ongles tout beaux, tout neufs. Enfin, beaucoup la trotte l'a dit. Elle m'a demandé quand est-ce que sortait la vidéo qu'on avait tournée la dernière fois. Je lui ai dit, ben, je crois que c'est mort. En tout cas, elle est trop, trop sympa. C'est fait. Franchement, ça va pas durer longtemps. Je sais même pas quelle heure il est, mais. Ouais, il est 1h30. Donc, ça dure moins d'une demi-heure. Fait rentrer. Elle me dit mais t'es venue avec la trotte à Ambeline. Je dis oui, elle me dit fais attention. Elle est vraiment trop chou. Donc là je rentre, je pense qu'ils auront fini le lit. Je suis partie, restait deux planches, mais bon avec les deux zigotos là comme ils sont, alors je suis capable de se tromper. Donc voilà, et on dirait il va déjà fermer, le temps est trop vite, la nuit tombe trop vite. Je déteste ça. On vient rentrer. 16h35. Efficace. Voilà, j'arrive et c'est pas fini. Ça a besoin de mon aide. J'allais te dire, je pouvais pas vous laisser les deux pour finir. On a un peu avancé quand même. On a quand même avancé. Ça ressemble quand même plus à un lit. Enfin... Bah, quand je suis partie, ça ressemblait déjà à un lit quoi. Il manquait juste la barre du dessus. Vas-y, je vais aller chercher les deux dans 1h10 quoi. Ça y est, j'ai débloqué la situation. En fait, il faut manquer juste le maître de chantier pour y arriver. Maintenant, il faut visser le sommier. Il n'y a même pas d'étape pour ça. Voilà, là en fait, on doit visser des petites vis là-dedans. Mais vous voyez, il n'y a pas trop en dessous. Donc ça, c'est relou. C'est bon? Tu te régales? C'est la régalade? Viens visser tes vis, il y a 6 vis. Moi, j'ai gagné des frites. Vas-y, pousse, vas-y. Un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Non mais c'est tout passeur. Ouais, pourquoi pas. Parfois on part en tir, mais dans la bonne direction. Eh, en vrai, quand on fera des soirées, au moins il y en a deux quand tu fais. Ah, j'ai eu vraiment très peur. Vu que je suis quelqu'un de pas très intelligente, il y a un trou. Déjà, pourquoi il y a un trou au fond de la boîte? Je sais pas. Déjà. Mais trop de part, hein, mais. Genre. Mais je faisais, par exemple. Oui, mais là, au fond d'une boîte avec plein de. Mais c'est pas qu'il y a un trou, c'est que c'est.
bon, on va s'occuper aux toilettes. On va s'occuper des toilettes. Bon, la petite soupe était prête, mais c'était trop liquide. À chaque fois, dans les soupes, ils font des soupes super liquides. Moi, j'aime bien quand c'est un peu épais, du coup, j'ai rajouté deux patates. Donc, j'ai remis à cuire. Et on s'est servi un petit verre de vin. Un petit sauterne. Miam, miam, bon. Miam, miam, bon. Et là, c'est la mi-temps du match. Et moi, je vais faire mon montage devant le foot. Donc, monsieur finit de jouer. Et il fallait que je filme des stories aussi. Je vais filmer après. Bon, les toilettes c'est fait, l'aspi c'est fait. Je vous ai pas dit, mais on est rentré. Et je vous ai pas montré le lit d'Elio comme ça faisait à la fin, ni un tour de sa chambre, puisque si vous voulez voir ça, vous irez voir sur le vlog de Homboline. C'est pas à moi de vous montrer ça. Allez, serpillère. Donc, comme vous voyez, la soupe est très très chaude. Donc je vais commencer le vlog et on va laisser refroidir un petit peu. Et c'est le but, Benzema le sang, Benzema le sang. Purée, j'aurais dû mettre mon maillot de la France. Purée. Et c'est encore le but, mais c'est fantastique. Magnifique. Est-ce que je vais me régaler? Moi je pense que oui. On est où là? Quoi? Tu parles de quoi? Bon, rush. J'ai pas fini mon montage. On a regardé ça. J'avais jamais vu. Mais il reste 36 minutes, mais là je m'endors, c'est pas possible. Donc là, prends un petit médicament et dodo, et on regardera la suite demain parce que. Parce que vas-y, j'ai pas envie, j'ai envie de voir la fin, moi. En mode gothique! En mode gothique, les gars! En mode gothique! En mode gothique! Quoi? Je te saoule! Bon, les gars, lave les dents. Faut que je me démaquille, c'est vrai, je me démaquille. Les gars, j'ai mal au ventre. J'ai pris rendez-vous avec Rosa Charles la semaine pro parce que. Mal au ventre pendant les règles, ok. Mais genre la semaine dernière. Enfin, non, je sais plus quand, bref. À la période d'ovulation, tu peux avoir un peu mal, ok, mais après, genre, j'avais vraiment mal. Et là, encore en ce moment, où ça peut me prendre, genre, limite, comme des contractions. Vous voyez, les femmes enceintes, quand elles vont accoucher et que d'un coup, elles se plient de douleur dans le... à l'hôpital quand elles vont accoucher et qu'elles ne peuvent plus rien faire, et ben, c'est moi. Et genre, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis pas d'accord. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Et puis, j'ai vraiment le truc. J'ai voulu le saouler, alors on va dire le truc en mode gothique, et maintenant je l'ai dans la tête. Comme saouler moi-même. En mode gothique, les gars. En mode gothique, les gars. En mode débaquille, surtout, ouais. Ça brûle. Ah, ça brûle. L'eau chaude, ça brûle. Je suis en train de monter le vlog et je me rends compte que j'ai pas fait de fin. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. De très gros bisous et on se vous dit à plus tard pour un prochain vlog.